Oh, lui, il est bien. Hop, hop. Bon. Suffit maintenant, hein. Bisous. Alright. C'est parti pour la partouze. Twitch, Twitch, Twitch. Hop. Ça, c'est good. De la merde. S'il te plaît, le pied là. Le pied là. Putain. Voilà. Voilà. Ensuite. Hop. Plus loin, Kingdom Hearts, ça donne la gerbe. Plus loin, plus loin, plus loin. L'écran plus loin. Merci. Alors. Tac. Voilà, 12. Sur 12 le volume. Épargnez-moi mes oreilles. Alors. Franchement, sous les 20 heures, on le finit. Large. Alors, sommes-nous bien là où j'étais? Oui. Donc, Pinocchio a été enlevé par Riku. Valheim. Ça se dit comment? Valheim? Valheim? Valum? Valalalalai? Yoditrix, ça va? En avant! Ouais, ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on skip Atlantica, le monde de l'eau. Du coup, c'est cool. En fait, le skip, il est tout con, c'est juste faut pas y aller. Oh, nique ça.
Énorme. Écoute, va donc. Du coup, tu fais ça en solo ou en communauté avec des gens, etc. Les niveaux dans l'eau, mais ça devrait pas exister en fait, tout simplement. Avec 2-3 potes, ça marche. Ok. Je sais pas faire ça, mais je te soutiens. Oh bâtard. Ah, faut niquer la petite lampe verte là. Voilà. J'ai la moitié de ma liste Steam qui joue à Valheim. Non, c'est faux, il y en a une. Je sais pas, ils sont 8-9 le soir sur. Sur 120. 150 même, je sais plus. Bon, tu crèves, petit bâtard. Merci. Ça m'a l'air très bien comme jeu, hein, cela dit. Hein. Moi j'aime bien les jeux de survie, les jeux comme ça. C'est juste que je n'aime pas les faire en multi, mais je les aime bien. Oh oui, il a l'air très cool, ouais. Franchement. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que... En quelques mots, qu'est-ce qui a changé qui fait que finalement c'est pas le jeu de chip que tu pensais. Enfin, qu'est-ce que tu kiffes ça à ta race, quoi. Qu'est-ce qui te fait bander. Bon, on va avancer, hein, parce que voilà. Là, c'est bien. Ok, ça roule. Donc tu peux entrevoir des possibilités de ouf, quoi, vu de loin, quoi. C'est vrai qu'apparemment tu peux construire des villages et trucs comme ça, donc ça a l'air très très cool. Et je pense que le fait de vouloir jouer en solo et pas en multi, c'est vraiment un truc de vieux en vrai. Parce que genre, je prends au hasard le streamer le plus vieux du game, enfin un des streamers les plus vieux, MrMV, qui a pratiquement 40 ans. Il fait des trucs en multi et tout sur Twitch, hein, y a pas de souci. Mais sur Twitter, il arrête pas de se plaindre, il arrête pas de dire « Ouais, c'est bien, mais si on faisait ça, ça, ça et ça en solo. » Ça le saoule en vrai. Il kiffe pas tant que ça en fait. Alors, genre la pluie qui abîme les structures sauf s'ils sont sous la toile, le vent qui... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... Il y a des pets. C'est un des éléments centrales là, centraux. Un élément centraux. Vas-y là. Moi je t'ai mort. Et Donald, pourquoi t'es mort? Ah, ça, mais... c'est procédural aussi. Mais c'est cool. Ça fait une sacrée map, la vache. Ventre 6. Ok. On s'enfonce. Ah, y'a un coffre là, ça m'intéresse. Là tu me le vends moins bien. N'empêche, les vieux jeux où fallait vraiment farmer comme un gros bâtard, on a beau dire aujourd'hui c'est mieux, mais en fait, j'étais plus à fond dedans à l'époque en fait. Les jeux comme la 4ème prophétie où pour faire un level fallait farmer pendant des heures les mêmes mobs, en fait, je sais pas, il y avait un truc. Tu
savais ce que t'allais avoir, tu t'en rêvais, tu vois. Je me disais, putain, si je farm pendant 1h30, 2h, je vais avoir mon nouveau sort de boule de feu, je vais être tellement bien et tout. J'ai plus ce délire maintenant. Bah ouais, du coup, c'est ouais, c'est des bons objectifs. T'as des objectifs lointains, mais qui te font kiffer, donc ouais, bien. Putain, ça tourne dans tous les sens ce jeu. Je vais dégueuler. Ah, cool, ça roule. Je vais regarder vite fait là. Bon, de toute façon, il y a pause, je suis con. Hop. Let me check. Ah ouais, ok. Monsieur a fait une longère. Ah, ça fait tout de suite des grosses baraques. Nice. Ah bah, Steel Viking, exactement. La maison longue. Ah oui, d'accord. Gestion de la fumée, ok. Du coup, ça se passe très mal si tu fais un feu alors qu'il n'y a pas de cheminée. Tu fais un feu n'importe où. Ah, mais bien. Ah, trio blanc, merde. Fuck. Je suis tombé, du coup, c'est de la merde, je pense. Entre trois, voilà, ça me remet dans la merde. Calmez-vous. J'aimerais bien ouvrir ce coffre, que je sois pas tombé pour rien. D'accord. Ah bah oui, à première vue, tu te dis que c'est cheap, tu vois. Ah ! Mais en fait, pas du tout, ok. Intéressant, ça. Je veux ouvrir mon coffre ! Allez ! Il est où ? Je vais essayer de me mettre dans un coin pour le faire dépoper. Là. Non. Voilà. Ah merde. On va se faire 4 heures de Kingdom Hearts, ça sert à rien de forcer et de se niquer les yeux. Parce que il sera terminé le jeu, hein, sûr. Cette semaine, c'est sûr. J'ai regardé où j'en étais, je suis au-delà de la moitié. Donc c'est cool. Oh putain, mais je m'en bats les couilles de ça. Alors, d'accord. Donc il me ramène. En fait, quand je tombe comme une merde, en gros, il me ramène au début. Quoi. Ça, c'est. Et ça, je pense que ça va être le début en vrai. Ok. Bah faut tracer en fait, hein. Faut pas trop s'emmerder. Genre, bah, je vais me finir à monter. Ah. Bon, pour l'instant c'est bon quoi, c'est mon quatrième RPG. Je kiffe quand même plutôt bien la race de ma grand-mère. Et je suis assez curieux de faire Pokémon, pas de problème. Et Vagrant Story aussi d'ailleurs. J'ai un peu peur de Vagrant Story alors que Pokémon ça va, j'ai pas peur, ça va. Non, tombe pas. Pardon. Ventre 2. Après. 17h on saura. C'est très très serré. C'est genre serré de ouf. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une voie en plus pour Pokémon. J'ai relancé sur Facebook et Twitter. J'ai eu des votes en plus. Bon, de toute façon, ça sert à rien. Puisqu'on va. De toute façon, ils seront faits. Hein. Ils seront tous faits. Ventre 5. Là, si je tombe, c'est pas terrible. Là.
D'accord, je vais les tuer parce que je vois pas trop où je suis en fait. Oh, la musique, ça va. Donc la caméra. Ah non, point douté. À chaque fois, j'essaye de mettre mon écran plus loin, mais je peux pas, je suis déjà contre le mur. J'arrive. Je le mets bien loin, ça, sinon j'ai la migraine. En fin de journée, j'ai la migraine avec ce jeu. C'est chaud quand même. Mais j'aime bien, hein. Par contre, j'aime beaucoup. Pas de problème. Alors là. C'est quoi ça? Ah bah non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je suis trop dégoûté. Merde. Bon. Un mode. Ah, j'ai regardé les modes. Effectivement, il y a des trucs, mais c'est surtout pour le 2 qu'il y a des modes. Le 1, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est pas ça. Mais la caméra, elle est. Oh, elle est serrée parce que c'est très exigu les pièces, hein. C'est tout petit, hein. Tout est tout petit. Hein. Tout est serré comme mon trou de balle. Hein. Ah, c'est dans l'autre sens. Franchement, mon trou de balle, j'ai jamais vu un trou de balle aussi serré à mon avis. Une merde un peu trop grosse? Putain, j'ai une hémorragie quoi. Bisous! Bon Valheim, bonne douche, bonne course, merci d'être passé. Tchou-tchou. Tchou-tchou, mon petit. Comme ça, on s'en bat les couilles. Rentre 6. Ouais, non, ça va, franchement, ça va. En fait, les persos, les scènes et tout, c'est pas mal. Ah, oui, d'accord, en fait, du coup, faut repartir comme ça. Vas-y, casse-toi, toi! Je viens de comprendre. Casse-toi! Alors, ventre 5. Donc de là, je devrais pouvoir atteindre. Wouh! Un nouveau truc. Ouais! Ventre 4. Pourquoi t'intéresses-tu encore à ce garçon? Après tout, je te rappelle qu'il t'a abandonné pour la Keyblade et pour ses nouveaux compagnons. Je ne m'intéresse pas à lui. Je le taquinais un peu, c'est tout. Oh, vraiment, c'est donc cela. Prends garde à la part de ténèbres qu'il y a dans ton cœur. Les sans-cœurs la convoitent. Mêlez-vous de vos affaires! Sasuke là, qu'est-ce que c'est que ça? Riku! C'est quoi ton problème? Tu cherches quoi? Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est drôle, j'allais te demander la même chose, Sora. On dirait que désormais, tout ce qui t'intéresse, c'est de te pavaner avec la Keyblade. Tu veux vraiment sauver Kairi? Qu'est jaloux? Oui, bien sûr. Il me fait repopper sur une sauvegarde. C'est pas du tout suspect cette affaire. Putain, bouche. On est à l'intérieur de la bouche de Sacha Grey, je pense. Intestin. Maintenant, on va dans son intestin. Une actrice de qualité, hein, bien sûr. Ah. Ça ressemble beaucoup à un autre boss, hein. On dirait un boss de FF10, ce truc. C'est même le premier ou deuxième boss de FF10. Je m'en occupe. Est-ce qu'on peut sélectionner autre chose? Non, apparemment. On peut juste se bourrer. Ah non, je peux bourrer sa tête.
est-ce que qu'est-ce qui se passe si je lui balance du brasé dans la gueule? Ce bof hein. Alors, soin sur Donald. Voilà. Oh, Riku il est cheaté, il est bien. Oh ta gueule. Mon dieu. A l'aide. A LED, à l'aide. Ouais, Pinocchio là, tu te calmes maintenant hein. Pas des couilles moi. Et alors? Yo Rémi. Yo Rasta. Bon appétit Rémi. Oh chez quoi, j'ai très peur. Mais il va se taire là. Je sais pas si vous avez fait Final Fantasy X, mais ce boss c'est exactement un boss de FF10. Hein. Comment va Rasta aujourd'hui? Ta gueule. Take. Ah merde, les deux ils sont dead. Ah non. Voilà. Une stratégie? Ouais. Allez rip. Il y a un boss dans la flotte qui a une cage à l'intérieur de son corps, je crois, et qui a deux tentacules comme ça. Ou bien il y a un boss dans FF9. Ah non, c'est un boss dans FF9 et c'est une plante en fait. Bon, bref, le principe de capturer les personnages, c'est pas nouveau apparemment. Ouais, chier. Trans. Alors Dingo il peut. Alors augmente la jauge de MP des invocations permettant de les faire durer plus longtemps. Effet cumulable en cas d'activation multiple. Ok. Et lui. Activé. Et moi. Activé. Ok. On peut parer les attaques dans ce jeu, j'étais même pas au courant. Bon, le jeu il devrait être terminé vendredi tranquillement. Nous sommes au-delà de la moitié. Ah, ce soir Nintendo Direct à 23h en fait. Je vais regarder ça. J'espère qu'il y aura enfin des nouvelles de film de Game Dance C5. Pitié, rendez-moi mon fils. Désolé, grand-père. Je dois étudier le fonctionnement de cette marionnette. Ce n'est pas une marionnette. Pinocchio est mon petit garçon. C'est plutôt bizarre. Un pantin avec un cœur. Je me demande s'il pourrait aider quelqu'un qui a perdu le sien. Attends un peu. Tu parles de Kairi? Elle t'intéresse maintenant? Quel racaille ce Sasuke. Ça me gratte là, j'ai un bouton en haut de la fesse. Ah. 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 Ah, pardon. Ah. Super saut. C'est que ça. Compétences de groupe.
Oh yes. Oh yes. Ça c'est oui. Ça c'est oui. Bon, on va sauvegarder. Du coup, bah déjà on va aller chercher celui-là. Hop. Ça me gratte. Ça me démange. Ah bah non. On fout de ça, moi. Ah oui, ça doit être là-haut. Waouh. Waouh. Motherfucker. Riku. Riku, il a disparu. Par là. Oh putain, bâtard. Intéressant. C'est un jeu de plateforme 3D par excellence. Alors, on va essayer comme ça. Mais non, mais je voulais pas essayer. Ah bah ça va en fait. Voilà. Ensuite quoi. Fais ça. Ah, attends, il y a un truc qui m'intéresse là. Trio. Eh hey. Ah. C'est un enfer sur terre. Mais je suis censé aller où comme ça après? Bah nulle part. Puis nos culs là. C'est trop haut. Alors on est d'accord, faut que j'aille là-bas, en haut. Sûr, 2000%. Donc il faut que j'aille là, ensuite il faut que j'aille là. Donc il faut que j'atteigne cette plateforme. Bah j'y étais en fait. Bon. Faisons cela. Ok. Ok. Et donc là, je peux monter alors. Ah bah oui, je peux, oui. Ok. C'est bon. Ah, dans la gorge de Sacha Gray. On était dans sa bouche, maintenant on descend dans sa gorge. C'est vraiment pas très sale, j'espère qu'elle fait des bains de gorge. Hein. Et des bains de bouche aussi. Mais... Ça se trouve, quand ils sont bleus, faut que j'en fasse un sang de glace, des trucs comme ça, je sais pas. Ah mais tout va bien, je prends un plaisir particulier. Alors. Ah, il y a l'estomac au-dessus. Faut pas venir dans mon estomac, moi, hein. C'est pas bon. Noise. Il reste plus grand chose comme monde après. Il y a le monde de Mr. Jack, j'ai vu. Partir, Pinocchio. Il y a Winnie l'ourson, mais je crois que c'est rapide. Se fait prendre son cœur par les sans cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi. Qu'en dis-tu? Et après c'est la fin. Unissons nos forces pour la sauver.
Ensemble, on peut y arriver. Quoi ? Tu préfères me combattre ? Pour une marionnette qui n'a pas de cœur ? Avec ou sans cœur, il lui reste tout de même une conscience. Une conscience ? Tu ne l'écoutes pas. Il est optionnel. Parfaitement. Et elle me dit que tu es dans Atlantica, le monde de la merde, merde. Je le ferai pas. Pinocchio. Ah oui, il y a le Colisée aussi. Il faut que j'y retourne une troisième fois. Jiminy, ça va très mal. Comment il torture les les personnages de Disney. Je crois que ça ira. Ah bah non, ça va. Ah. J'aurais dû le faire sur Donald plutôt, mais bon. D'accord, c'est la boule qu'il faut défoncer en fait. Entre le moment où tu lances ton sort et que tu l'envoies, il m'agace. Sérieux ? Oh bah alors là. Ah bah alors là. Ah bah alors là. Allez, on peut pas zapper les scènes. Je ferai attention. Rico, laisse partir Pinocchio. Une marionnette qui se fait prendre son cœur par les sans-cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi. Qu'en dis-tu, Sora? Unissons nos forces pour la sauver. Ensemble, on peut y arriver. Quoi? Tu préfères me combattre? Pour une marionnette qui n'a pas de cœur? Avec ou sans cœur, il lui reste tout de même une conscience. Une conscience ? Tu ne l'écoutes pas, mais moi je l'entends parfaitement. Et elle me dit que tu es dans le mauvais camp. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Pinocchio ! Pinocchio ! Jiminy, ça va très mal. Je crois que ça ira. Quel blaireau. Hein ? Allez, cette fois-ci on prévoit large. On va pas se faire avoir pour rien. Ha!
Et on bourre. Ils servent à rien les deux là, mon dieu. Entre deux phases, en général, sur un boss, il vaut mieux s'écarter. Voilà. C'est vraiment le jeu des sacs de PV, hein, franchement. Yo Ben, ça roule. Je vais poster une annonce emploi, j'engage un nouveau caméraman pour ce jeu s'il vous plaît. Pas mal le Magic Ball. Putain! Allez, allez, une heure après, on y est, putain! Comme ça, allez. Ça va, il est facile, donc on s'en fout, tu vois. J'ai peut-être la troisième phase du Colisée à faire après, j'irai. Ouais, c'est Igor, ouais. Riku! Riku, où es-tu? En plus, c'est parfait, c'est la version avec le décédé, avec la l'auréole. C'est impeccable. Il a l'hosto mais ça va. Et c'est bien le Covid hein, qu'il a. Alors, Kairi est devenue une poupée sans vie. Exactement. Et son Covid version dégueulasse. Emporté par les sans-cœurs sans aucun doute. Dites-moi ce que je dois faire. Il y a 7 jeunes filles au cœur pur. Nous les appelons Covid les de prof. De ouais, c'est ça. Réunis-les toutes et une. Il l'a attrapé probablement à cause d'élèves qui font de la merde et puis voilà. Là se trouve une sagesse inouïe. Tu y trouveras sûrement le moyen de récupérer le cœur de Kairi. À présent, je vais te faire un don merveilleux. Le pouvoir de contrôler les sans-cœurs. Je suis un gentil, pourquoi tu fais ça? Patience, Kairi. C'est ça. Bientôt. Bérangère. Là où il habite, là où il enseigne, c'est plutôt Dylan et Brandon. Pia. Il enseigne du côté de Maubeuge. C'est pire. Et au collège en plus quoi. Au secours Obi-Wan Kenobi. Riku. On va tenter le Colisée du coup. Ah, voilà, parfait.
Il est optionnel, mais on va le faire parce qu'il paraît que c'est pas mal. Il y a des persos assez stylés, je trouve, en plus. Allez, on y va. Ouais, bon courage. Une marque trio que je pouvais pas faire et maintenant que je peux, on va essayer peut-être celle-là, mais je sais plus. Ah ouais, non, je pouvais pas le faire ça. Apec. Pardon. Tac. Non, bah c'est tout. Après, il reste la blanche, mais je peux pas la faire. Hercule! Bonjour. Ah, ok. C'est quoi ça? Ah, ça doit être le prix. Ah. Non, ça. Les jaunes, on peut pas les faire? En vrai? C'est vrai? Ah ouais, je croyais. Allez. Tu connais les règles, n'est-ce pas? À quelle épreuve veux-tu participer? Coupe Philoptech ou Coupe Pégase? On va faire dans l'ordre. Normal. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça va, ça compte des ennemis. Alors, 9ème place, Mal de la Jungle. Ça va faire de l'XP. Et ça, c'est bien. Voilà. Singe et magie. Alors attention. Faut défoncer. Voilà. Comme aux élections, faut défoncer les verts. En premier. Ensuite les rouges. Ok. Un peu histoire de pas avoir la migraine dans une demi-heure. Yo, Ruma. Ouais. Bah ouais. Bah en fait, j'avais été jusque. Je sais plus. Jusque Tarzan. Jusqu'au boss de Tarzan, il y a longtemps. Du coup, là, je l'ai dépassé. C'est la version PS2 au cas où, en émulateur.
Mais c'est très propre l'émulation, franchement. Ça va. Du coup, tu l'as déjà fait, toi, j'imagine. Il y a juste un peu sur les écritures, là ça se voit pas, mais sur les écritures, il y a des... ça bave un peu parfois, mais sinon ça va. Bon, là on a les voix françaises, donc c'est plutôt cool, même si parfois ça sonne pas toujours juste. Alors... du coup, pour te dire où on en est, on vient de finir la baleine. Et du coup je me suis dit tiens peut-être que je vais retourner au Colisée comme on me dit d'y aller pour faire des tournois. Ah c'est PS4. Je l'avais fait sur PS4, j'avais... en fait c'est sur PS4 que j'avais recommencé une deuxième fois. Et j'avais pas réussi à le finir. Dans le sens où, où ça m'avait fait chier, j'avais give up un peu sur Atlantica. Ah non c'est sur Atlantica que j'avais give up. Sur Ursula, putain les souvenirs qui remontent. Oh là oh là, faut les niquer eux en haut la vache. Ah ça va. Ah ça va. Bah c'est ça. Mais tu sais, il ressort sur PC fin mars. Ils les sortent les trois là. Du coup à mon avis il va y avoir des patchs par des fans pour avoir les voix françaises, c'est pratiquement sûr hein, je pense. Il faudra juste un peu de patience. Les voix françaises, sous la plupart c'est les bonnes voix françaises de Disney. Du coup ça fait trop plaisir quoi. Quand t'entends le génie avec sa voix, tu te dis ah c'est, on est bien tu vois. Ça c'est pas mal. Putain, j'en oublie de le healer quand même. Sinon, très très bon jeu. J'aime beaucoup. À part la caméra qui est un enfer, dès que les endroits sont un peu serrés, tu sais. C'est un enfer sur Terre. Mais à part ça, c'est plutôt cool. Chain of Memory, c'est celui qui était sur GBA, du coup ils ont fait quoi en fait? Ils ont fait quoi en fait? Ils ont... mais ils ont quand même rebossé un jeu quoi. C'est trop bien. Ah bah à l'occasion alors. Il y a un vote en cours jusqu'à 17h. En description de la vidéo au cas où. Pour choisir le prochain RPG, il y a un fight entre Pokémon et Vagrant Story. Et ça a du mal à se départager. Pratiquement égalité, donc c'est un peu relou. Essence des étoiles, gravité. Ah, il paraît que gravité, c'est cool. Alors, j'ai gravité, ok. Alors, attends, je vais sauvegarder. Je me demande si je peux enchaîner direct. Déstabilisant mais sympa, ok. Bah coup de Pégase du coup. Normal. Allez. Ah ma caméra elle est partie en sucette. Ouais je t'en prie, y'a pas de soucis. Hein. Faut juste que je reboote ma caméra moi. J'aime voir prendre des pauses interminables. C'est beau.
Hop. Tac. Attention, 3, 2, 1. C'est bon. Allez. C'est pas la même. C'est pas la même. Faudra peut-être que je revienne plus tard. On va voir. Bon, ça va. Ça va, mais si ça commence comme ça, je sais pas trop. Quoique. Bien joué. Mister Jack, et je crois qu'après il y en a encore un et c'est fini. Après c'est le monde de la forteresse. Après le monde de Mister Jack, il y a vraiment quasi rien. Il paraît que gravité c'est fort. Ouais, je trouve que c'est fort. T'as une chance de les faire disparaître en fait avec gravité, c'est un truc de ouf. Ah, c'était vraiment à la fin en fait. Oh, il reste, il y a que dalle après. Sixième place. Ouais, bon allez, on y va. On rentre dans le tas. Hein. J'ai pas préparé les éthers. Bon, pas grave. Hein. J'ai été coquille. Bah oui, en fait t'en bouffes tellement des jeux. C'est possible. Ça bande de la merde. Non, je rigole. Mais j'aime toujours, hein. À part la caméra qui se dénigraine au bout de 3-4 heures de jeu. D'ailleurs, ça se rapproche de plus en plus. Je suis obligé de me masser au fur et à mesure. dans le mal, l'histoire, je trouve qu'il n'y a rien de particulier, hein, vraiment. Dans le 2, ça part tout de suite en méga sucette. Pour l'instant, dans le 1, là, il n'y a rien. J'avais regardé un résumé qui faisait tous les jeux pour que je puisse, pour que je, comme ça j'étais prêt pour le 3. Mais là j'ai complètement oublié, mais j'ai oublié, il y a trop de noms. Je sais plus là de quoi ça parle. Hein. Il y a des Ansem, il y a des Xehanort, mais Xehanort il y a sa version dans le passé qui s'appelle autrement. Enfin bref, tu sais, c'est trop le bordel. Merde. Ça suffit.
pense que gravité ça marche bien sur eux. En principe. Faut attendre qu'ils reprennent une... Mais qu'est-ce qu'ils font? Le jeu m'a piégé là, le jeu m'a piégé. Ah super. J'ai joué plusieurs mois à un jeu tel. Sur tel pour avoir une keyblade premium sur. T'as fait ça, t'es sérieux? Énorme. Et tu l'as eu? Non. Ça sent le bon gros farm sur téléphone. Ça. Bon, pas mal la coupe Pégase pour l'instant, ça se passe. Oh! Ah, c'est cancérigène ici Oh là là! Le machin il te poursuit jusqu'à la... jusqu'à l'autre monde quoi. Il est pas passé, putain. Oh, c'est bon ça. C'est pas bon ça. Faut que je me soigne maintenant hein, parce que... Ah ouais, non, il se fait en une... pas 25 heures, je crois, même pas. Léon et Yuffie ? Rip, rip sur Yuffie direct. Va tâter de ma Keyblade. Ça va, ça nous poursuit pendant combien d'années? C'est fini. It's over. Nous l'a fait la Jean-Claude. Vite, fuyez, pauvre fou. Oh la gang bande dans le coin! Oh putain, il y a Léon qui est arrivé là. Léon de Bruxelles là, il est arrivé. Bim. Allez, allez, allez! Putain, ils l'ont healé là-dedans! J'ai oublié de mettre des éthers dans mon inventaire. Oh là là, elle arrête pas de se vilier. C'est
suffit. Prends ça. Gravité. J'en peux plus, moi. Oh mais y'a Léon là! Y'a Squall! Y'a Squall là qui arrive là, il nous défonce la gueule! C'est fini! Oh là là! Oh là là! Ouah! Oh, y'en a marre! Y'en a marre de ça! C'est fini! Je suis tellement dans la. C'est mort, tu peux pas l'avoir! C'est sûr, vas-y, tue-moi, tu m'as saoulé! Ah, il m'a saoulé! Bah allez, c'est pas grave. On reviendra. Par contre, objet Sora prendre éther. Méga éther. Bon courage Rémi. Putain, lui aussi il bosse. C'est pas un comptable, mais bon, C'est pas loin. C'est pas loin d'être un comptable quand même. En plus, il a la gueule de l'emploi. Pauvre Rémi. Je sais même plus ce qu'il fait en vrai. C'est la. Je sais même plus. Comment ça s'appelle déjà? Oh, je sais même plus. Ah, on peut aller voir Merlin, tiens. J'ai pas mis hyper espace. ADV, ah oui. Mais non, un bon boulot c'est ça, Ben, c'est ce que tu regardes là, streamer au crochet de la société. Ah, payeur, vite Pôle emploi quoi. C'est pas deux DRH et un conseiller Pôle emploi qui s'est fait buter il y a pas longtemps par un chômeur. Méfie hein, les mecs hein. On se laisse plus faire hein. Si c'était il y a quelques mois. Je te retrouverai l'info. C'est très drôle. Les deux anciens employeurs plus le conseiller Pôle emploi du mec. Bim, il les a tués tous les trois. Bien fait. Peut-être. Je sais pas. Chambre du mage. Ah, on peut aller directement à la chambre. Ils ont pas dû bien faire leur boulot, hein, s'il les a butés.
J'ai battu un boss sur la purge. Bien. Quand t'étais plus là, bah oui. Je suis couché à 21h moi. J'avais plus de cerveau. C'est ce jeu, il me suce mon cerveau. Il me suce mon crâne, j'ai mal. Oh, bien. Pratiquer la magie. Moi je veux pratiquer le sexe avec toi, Myrna. Eh ben c'est de la merde ce que tu m'as donné. Espèce de sac à merde, Merlin. Ah ça c'est bien, l'orbe magique. Je l'avais pas mis. Ok, impeccable. Oui oui j'ai fait KH3 ouais. Bah oui oui oui, c'est une belle cinématique KH3, hein. C'est beau. T'avances et tu tapes jusqu'à la fin du jeu. Redescendre. T'appuies sur croix, hein, KH3, et t'arrives à la fin du jeu. C'est ça. Je sais pas. Oh, je m'en rappelle pas du tout. Là. Ah, je crois que j'ai eu longtemps. J'ai eu longtemps celle de Jack Sparrow là. Je crois que j'ai eu celle-là pendant un temps. Ça me dit quelque chose. Allez. Sérieux ? Ah ouais. Oh. Merde. Ah non, ça va. J'ai cru que mon truc était en train de se barrer, mais ça va. C'était du Tony Hawk. Je m'en rappelle plus, eh. Le jeu, je l'ai fait, mais... Et je m'en rappelle plus trop. Ah ouais, j'ai bourré, hein. J'ai bourré. Je l'ai pas fait à 100%, ça c'est sûr. Mais c'était bien, j'ai bien aimé. Ah non, 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 je vais pas là, moi. Pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est là, Atlantica. Trop bizarre. Bon, bah, on va aller là, alors. Putain, il y a du soleil et tout, je vais peut-être aller bosser dehors vers 5h. Bah je crois. Il me semble qu'il y a Winnie l'ourson aussi. Je l'ai fait dans KH3, mais c'était rapide, hein. C'était des mini-jeux, je crois, ou des trucs comme ça.
Ah, il est mieux, hein, ouais, on est d'accord. Heureux. On est d'accord qu'il est mieux dans le 3, ce passage. Enfin, ils sont mieux dans le 3, les passages en vaisseau, évidemment. Là, là, je me fais chier comme un rat mort. Hein. Comme un rameur. Romain, ça fait un peu pseudo-alcoolo, non? Un Romain alcoolique. Grave. Ah oh ouais, c'est relou. Hein. On s'emmerde un peu, et c'est long là. Démasqué. Ah ouais. c'est bien ça, c'est bien le monde de Mr. Jack. Je sais même pas comment ça s'appelle. On va bientôt le savoir. Ah bah la ville d'Halloween, tout simplement. Halloween Town. Rumin, toi qui connais bien le jeu, il reste quoi après? Si je fais pas Atlantica, j'ai fait la baleine. Il y a Halloween. Après il reste pas grand chose je crois. Ah ouais. Je l'ai jamais vu moi. Ah oui, la belle et la bête, c'est vrai, j'ai vu zapper. Pas de panique, on a l'air bizarre nous aussi. Ouais, stylé là. Franchement stylé. De toute façon, j'ai regardé pour rigoler les figurines. Elles sont excellentes. Le Cloud de FF7. Avec son épée. Avec les bandages autour. Incroyable. Mais bon, des action figures à 70€, merci quoi. Place de la guillotine. Très bien. Allez. Ah, je peux pas les tuer. Ok. Bon. Ah bah non. Ah bah voilà, bah en fait il reste quelques mondes. Maintenant, laissez-moi vous présenter le maître de la terreur, bah, le prince des cauchemars. Je m'ai trompé. Skellington. Ah, est-ce que c'est son doubleur officiel? Bravo, Jack. Bravo. Ces fantômes remporteront un franc succès au prochain Halloween. Merci à tous, merci. Mais ils doivent encore travailler leur chorégraphie. Ce n'est pas assez effrayant. Je veux déclencher une terreur qui glace le sang. Je vais aller consulter le docteur. Eh bien moi, je vais m'occuper. Ouais, on va peut-être passer sur le monde secret de Winnie. Du coup, ça nous laisse trois mondes. Il faut avec plus la forteresse de fin, il faut qu'on finisse vendredi. Donc on va peut-être se manier le fion quand même. Après c'est pas écrit dans la loi que je dois finir les jeux en 5 jours, hein, mais j'aimerais bien. Pardon. Alors. Cimetière. Salut Nella, c'est pour toi que je fais ça. Salut bébé. Je vais me faire niquer. J'ai pas fait full trophée sur PS4, mais j'avais fait tous les mondes, ouais.
Alors ça c'est une tombe, mais apparemment pour l'instant RAS. Non, ici je crois que j'ai rien à faire pour le moment. Ouais. On back. C'est vrai? J'ai pas regardé la difficulté. Putain, en plus cache 1.5, tu sais, il y a plein de jeux dans le jeu quoi. C'est quoi là? Bah tirer. Oh les bâtards. Hein, quoi? Au secours. Oh my god, c'est long et chiant de ouf. Et ils veulent pas que tu l'aies, hein. Je ne comprends pas. Peut-être que le système de guidage a été endommagé durant l'explosion. Ridicule, mes appareils sont toujours parfaits. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, bien sûr. Les sans-cœurs ont besoin d'un cœur. Docteur, pensez-vous qu'on puisse ajouter un cœur à cet engin? Certainement, faire un cœur n'a rien de compliqué. Allons-y, mettons-nous au travail. Pour fabriquer un cœur, prenez d'abord une boîte munie d'un cadenas. Mais avant, nous avons besoin de la clé. Donald, il s'en bat les couilles. Bigre, c'était formidable. Vous êtes? Sora. Bien joué, Sora. J'aimerais que tu participes au prochain Halloween. Que fait ce sans-cœur ici? Oh, les sans-cœurs viennent tout juste d'arriver en ville. Je suis frustré de ne pas pouvoir les faire danser avec moi. Donc, le docteur et moi essayons d'améliorer le système de guidage. C'est un véritable génie. Très bien, docteur, continuons. Les ingrédients pour un cœur sont... le pouls, l'émotion... la terreur... la peur... l'espoir et le désespoir. Mélangeons bien le tout et nous obtenons un cœur. Peut-être des ingrédients. Ajoutons un peu de mémoire. Sally? Sally? Elle n'est jamais là quand il le faut. Je me demande pourquoi je l'ai créée. Ah. Sally a la mémoire dont nous avons besoin. Il faut absolument la retrouver. Okay. Pas de problème. Sora, voudrais-tu m'accompagner? Ouais. Ah ouais? Jack! Jack! La situation est critique! Y'a pas que deux coupes à faire alors? Incontrôlables. Nous n'arrivons pas à les arrêter! Serait-ce la faute de notre expérience? Mais ça va aller! Ah, je suis dead! Ne vous inquiétez surtout pas! Ah, ça roule!
Je viens de là. Allez, c'est parti. C'est sympa ce monde de merde. J'aime bien quand ils changent les tranches de perso dans les mondes. Ils se demandent quelle tranche ils vont avoir. Ça suffit le caméraman, prends ta retraite. À la fin du stream, je pense que j'arrêterai à 17h. Sur certains jeux qui nécessitent, je passe plus de temps, mais bon là, ça va, ça devrait être suffisant. On verra quel jeu sera le prochain. Après, je pense que je choisirai moi-même le suivant. Enfin, on aura les deux prochains, et après, je choisirai. Mais je sais pas trop lequel encore. Il y a tellement à faire, c'est un truc de ouf. Nickel. En général, c'est ça, c'est de 13h à 17h, 17h30. Du lundi au vendredi, et le samedi, c'est plus vers 15-16h pendant juste 2h, quoi. Ah, rue des Lampions, intéressant. Pour tout te dire. Ah merde, c'est le début. On va sauvegarder. Toujours sauvegarder plusieurs fois sur plusieurs sauvegardes différentes car nous sommes sur un émulateur. Alors ça c'est quoi? C'est de la merde. La rue des Lampions, il n'y a rien. Il faudra le noter. Ah, les Uncharted, énorme. On est au combien du coup? En HD collection, j'imagine. Tellement bon le Uncharted. À la moitié du 3, d'accord. On est d'accord que pour l'instant le 2 est au-dessus des autres. Pour l'instant. Le 2 il est tellement parfait je trouve. Le 3 je l'aime bien mais il m'a pas marqué plus que ça. Mais le 3 il est... Enfin le 2 il est incroyable. J'ai dit quoi là? Moi je sais plus comment... Ah cimetière, il y a peut-être moyen d'avoir un truc. Ah le 2, c'est un truc de ouf. Du début à la fin, tu fais what the fuck. Ah, inspecter le cimetière, impeccable. Le 3 j'ai bien aimé, franchement il y a des scènes qui me reviennent en tête quand même. Le 4 j'ai énormément aimé. Mais, enfin énormément aimé. C'est mon deuxième préféré mais il est plus lent en fait. Il est plus lent. Ils amorcent déjà cette lenteur je pense dans le 3 là. En te mettant des scènes un peu tranquilles, tu vois. En même temps, le 4 il est tellement long. Enfin, par rapport au. Ah bah non, ils sont tous aussi longs. Bref, très bien. Ouais, 2 et 4. Franchement, ouais. Mais le 3, j'en garde de très bons souvenirs. Très bonnes scènes que je te laisse découvrir. Ah! Il y a un problème, Jack? Faut vraiment que je note tous les Disney que je dois rattraper, hein, parce qu'il y en a plein que j'ai pas vu. Incroyable des Halloween. Ça, j'ai pas vu. Simplement besoin de ta mémoire. J'ai pas vu Hercule. Mémoire? Tu parles de ceci? J'ai pas vu Tarzan. Myosotis. J'ai un très mauvais pressentiment. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Rien ne presse. Écoutez la voix rien de la raison. Rien ne va surpasser ce que j'ai prévu.
Dès que nous aurons doté les 100 cœurs d'un cœur, ils danseront. Ah ouais, énorme. Fais-moi confiance, tu vas adorer ça. Je t'avoue que dans le 3, j'ai fait des mondes où je savais même pas où j'étais. Hein. Les nouveaux monstres, je sais pas quoi là. Je connais pas du tout. Les nouveaux héros peut-être. Mais les persos avaient l'air sympas. Hein. Ok. Je n'en dis pas plus. C'est bien ça. Pour avoir l'histoire en tête. Gam, vous avez entendu ça? Ouais, j'ai entendu. Un cœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, mais t'es vraiment un crétin. C'est évident. On le dit à Oogie Boogie. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le 3, en tout cas. C'est une valeur sûre, je pense. Juste trop facile, mais ça t'as dû le lire ou l'entendre. Alors, on va essayer de retourner voir la cour du laboratoire. C'est ici. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas être un très grand monde. Mais visuellement, le 3, il est... C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, juste les versions HD des 1 et 2, je les trouve super belles. Mais alors, le 3... Alors, parlez. De la surprise. Ah ok, ça marche. Ah, peut-être la sonnette où j'ai essayé tout à l'heure. On va aller voir. Du coup, pour te dire, juste avant, on a fait Final Fantasy 12, le 6. Ce vieux sac d'os de Jack fabrique vraiment. Et Dark Souls. Ça me convient parfaitement. Donc JRPG à fond quoi. Quand je mettrai la main sur ce... Enfin, je n'ai pas de main. Mais je vais quand même m'emparer de ce cœur et contrôler les 100 cœurs. Ça à mon avis c'est sa vraie voix. Là, je finis mes RPG. Parce que je ne les finissais jamais. J'y jouais sans les finir. Donc maintenant je les finis, bordel. Alors, donc on va les sonner... Chez le maire. Place de la guillotine, ça donne envie. Aladdin, c'est pas facile pour s'orienter, j'ai trouvé, hein, franchement. Mais ça s'est bien passé quand même. Ça m'a pas trop saoulé là. Ouais, les rues c'est chiant. Il y en a pas beaucoup pourtant. Hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Regardez ton cousin jouer. Fuck. Bien. Oh bah Donald il est dead. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ah. La maison. La maison, elle est pas loin. Ouais, c'est là. Voilà. Ça, on appelle ça victimiser. C'est bon? Les gars. Oh.
Alors. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire le tour. On va aller ailleurs surtout, je pense. Ah, il y a un coffre. Ça, je ne ferai pas. Petite pause 5 minutes après ce... quand je serai mort. Putain, je me fais bosser. Je me fais agresser. Quelle violence. Je vais aller chier un coup. Et après, go. Après ce sera go jusque 17h. Ça, parfois je me prends des tartes, la vache. C'est pas gagné hein. Merci beaucoup Dark Jestek pour le follow. Pauvre toutou que je vais abandonner. Je parle. Ah Damasien, excuse-moi. Oh là là, mon cerveau. Mon cerveau de vieil homme. Oh je les emmerde les Damasiens. Je les emmerde. Alors non, je pense pas que ce soit là. Là, il y a moyen peut-être. Bon, je vais aux toilettes. Attendez pour 5 minutes à peine. Même pas, hein. Même pas.
Voilà, voilà. Oh bordel. Ça, comment Cruella va faire son manteau exactement? C'est vrai. Putain, j'ai chopé une pomme golden, je pensais qu'elle allait être délicieuse. Et c'est de la merde. Ça va encore. Bon allez. On y va ou quoi? Oh ça! Étrange. De te retourner dans le cimetière. Oh attends, il y a eu du follow là? Ah bah merci Rumin. Merci à toi. Bien aimable. Alors, je passe toujours aussi tranquille. Quand les jeux me font chier, je passe mon temps à gueuler et à casser des manettes. Mais non, casser des manettes, je le fais plus trop en vrai. J'ai mûri, je vieillis. Du coup, c'est peinard. Alors ça, d'accord. Il faut sonner 3 fois, ouais, mais une merde dans ce genre là. Je vais essayer de sonner 3 fois. Putain, c'était ça. C'était ça, mais c'est juste pour un élixir. Allez. Au cimetière. Oula. Oulala. Bah calme-toi. Finalement elle est pas si mal cette pomme. Par contre j'ai des dents pourries donc quand je croque dans une pomme je prends beaucoup de risques. Enfin, elles sont pourries. Elles sont soignées, mais c'est de la merde. Mais j'ai pas les chico, les chitoko dégueulasses quoi. On s'en bat les couilles. Calagan, ça va? Et toi? Ah, examinez, examinez, examinez. Hop. Très grave, carrément. Bah, moi tranquille. Tu peux les partager ou ne pas les partager, c'est comme tu veux. Très grave, ça craint quand même. Bon. Ah,
Ah, la caméra elle bloque, trop bizarre. Ouais, mais bah, ça doit être plus le maire. Ça roule. Qu'est-ce que tu dis? Ah! C'est bien la 7. Ah ouais, une bouteille, une bouteille. Allez, la première. Trois, six, deux. Trois, six, deux. Grave, il est émo à mort. Ah bah là, merci. Cours du laboratoire, allez, on continue. On peut encore faire deux mondes, je pense. En comptant celui-ci, bien sûr. Ça laissera pas grand chose. Ça laissera des trucs tranquilles. Ouais, dans tous les cas, je peux finir le jeu vendredi, je pense. Au pire, samedi, si vraiment je prends mon temps, quoi. C'est bon, ça. Et après, Pokémon ou Vagrant Story. De toute façon, il y aura les deux. Voilà, cette fois, ça devrait marcher. Vagrant Story, alors une semaine, c'est pas possible. Ouais. Ouais. Cool. Alors, il n'y a plus qu'à repartir. Après, comme je vais zapper le monde de la petite sirène, ça va rendre triste Calagan. Yo, ma spaghetti. Oh, on les a perdus. What's up? The game is good so far. Poursuis-les, vite. Si c'est encore quelqu'un qui est de français qui se présente, qui parle en premier en parlant en anglais, ça va vite me gonfler. Ah, ils sont stylés. Oh, ils ont des PV. Oh, ils ont des PV. Allez. Après, faut que je teste gravité de temps en temps. Pareil que c'est cheaté. Ah bah ouais. Oh fuck. Between 7 and 8 because of the fucking camera. It's a bitch, but the game is it's pretty, it's oh, very good. On les a perdu. Hop là.
héros. Poursuis-les, vite. Il va où là? Ah ok, il retourne au cimetière apparemment. Wow, cette fois-ci on le fait mieux. Gravité, c'est de la frappe un petit peu. Hein. C'est bâtard. Quand ça marche, bien sûr. Voilà. I don't remember very well the wall story, but in the first game, in this one, I think it's pretty simple. It's gonna be complicated after. Bon. Ça suffit! Go cimetière. J'ai vu, ils sont partis par là. Allez. Ah bon? Le sort gravité m'a été recommandé. Voilà pourquoi j'en abuse. J'en use et j'en abuse. Ah. Ah bah non, il est mort. C'est bon hein. Oh. I'll do the second one when it will be on PC late March. I think you will wait a little more. Ta 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 da da ta 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 da da ta ta. C'est rigolo ça. Qui grimpe sur un truc. Raté. Gras raté. Ah, il didn't play it, yes, yes. Hop, hop. Fuck you. Alors. Oh! Attention! Ok! Bah, ils sont montés sur... Je pense qu'il va falloir descendre dans la tombe lunaire peut-être. On va déjà tuer un peu tout le monde. J'ai fait de la merde. Allez là. Eh bah putain. Ah, ils se sont envolés sur un truc. Bon, on va essayer d'aller là-dedans de toute façon. Comme ça, je l'ai fait. Peut-être qu'il peut m'aider, l'autre con. Ah, il est plus là, putain.
Ah, en version dark, ils sont relous. Ah, on est exactement là où on doit être. Impeccable. J'ai des gros soins. Ah ouais, ça XP bien là-dessus. Lanterne, il faut peut-être l'allumer. Je n'ai pas de magie. D'accord. Bah brasier plus du tout. Hop. Non. Ah, la caméra tourne. Ah, c'est un raccourci, d'accord. Bah non, moi je reste là, merci. Ah, oh, va falloir le l'allumer aussi. Reviens. Pour un raccourci que j'ai pas besoin. Putain, me casser les couilles. Alors. Ah, ils ont réussi à lui déployer son érection à lui. Ce jeu me donne la gerbe. Merci. Allez.
Ah la vache. Ah ça me défonce. À mon avis, à 4 heures, on sera déjà bien. Hein. Il y a recherché des lunettes en fait, faut que j'aille recommander. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une souffrance supplémentaire. Mon chien a mangé mes lunettes, ce qui est un peu pénible. Possiblement, ouais. Ça tourne trop, ouais, j'en peux plus. Et le combat il a pas de fin. Donald il a fait ça. Ça. Vous savez ça. C'est un peu de clébard, dès que tu laisses un truc à porter, de toute façon il le bouffe. Moi je veux bien examiner ce que vous voulez, mais ça pop en boucle. Dieu quoi. Dieu. Côté du canapé, c'est suffisant. Bon, ça fait de l'XP, hein, je suis d'accord, hein, y'a pas de soucis, mais c'est un peu relou. Hein. Alors, examinez quoi. Examiner, alors oui. Ah ça. Putain, y'a encore des mobs. Mais non. Ah. Ah, enfin. Oh, quel enfer. Oh oui. Non mais c'est un truc de dingue, j'ai pas compris quoi. Ah mais plus ça va et plus le jeu il me donne la gerbe, ça va. Franchement, si on pouvait faire Pokémon, ce serait bien. Pokémon, c'est en 2D là, ça va me faire du bien. Oh mon dieu. J'aurais pu la gerbe au moins là. Il est où? Où sont les méchants? Ah, il est là. Eh, c'est du bâtard. Putain, je peux pas les attaquer. Bah pourquoi? Ah, parce que je suis pas bien aligné, ok. Bien. Ah,
Parfait. C'est Game Boy Advance sur émulateur. Donc c'est Pokémon Rouge Feu. C'est pas le jaune en fait. Qui dit des bêtises. Ah, manoir Doggy Boogie. Il y a moyen que ce soit par là. On va déjà choper les choper quoi? Les coffres. Ouais, choper les coffres. Alors comment on fait? Merde. Dommage. Ah, peut-être que. Non. Puis ça met la zone mal au crâne aussi, hein, donc nique sa mère. Nique sa grosse maman. Hop. C'était bien ça, Ben. Il a bien la même voix, alors. C'est la voix d'Harrison Ford, en fait. Bah, le doubleur d'Harrison Ford. Jadis. J'étais sûr qu'Oogie Boogie était derrière tout ça. Alright. Darbois. Okay. Franchement, ce jeu, à part la caméra, moi je le trouve impeccable quoi. Et le fait qu'ils te remettent au début de la zone, quand tu meurs, ça c'est plutôt appréciable. On écoutera ça. Eux ils font mal. Eux c'est des tarbas. Je t'attaque avec ce film de 2010. Je sais même plus quelle année il est en vrai. Oh, c'est bon ça. J'ai vu Gravité pour la première fois ce week-end d'ailleurs. C'était pas mal. C'est bien. Il est très très bien fait. On se croirait vraiment dans l'espace. Hein. Vas-y. Oh mas. Oh bitch. Ah c'est bitch. Allez, on avance. Ah, c'est quoi ça? 94. Donc quoi, la taille de ton pénis? C'est une maladie là, je pense que t'as une tumeur à la bite. Hein. Ah! C'est vraiment pas loin de la sortie de Aladdin, je crois. C'était dans ces eaux-là, je crois. C'est l'autre 93, Aladdin, je pense. Hop! Mange mes groseilles. Ah, je l'avais en cassette, c'est pour ça. C'est tellement de la... C'est de la frappe. C'est de la peufra, Aladdin. On ne tombe pas, si vous... Ah non, c'est un piège à con, moi j'avance. C'est des pièges à con pour tomber, ça. On sait ce que c'est, on connaît Kingdom Earth. Kingdom... Voilà. Non! Je suis dans une zone cachée? Bah, je suis tombé quand même, mais je pensais que ce serait pire que ça.
Mais je suis... Chou. Ah, attends, je peux retrouver. Ah, impeccable. Ah, je suis de retour ici, ok. Ça va. Attends, c'était quoi ça? Ah, c'est bon. Arrêtez de loquer tout ce qui traîne. C'est... Si j'avance comme ça, c'est parce que c'est un enfer pour mes yeux, hein. Gros bisous. Le sac à verre. Oh, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comme ça, là-dedans, je peux pas tomber, je peux faire des fights. Ça me dérange pas. Oh oh. Putain, on peut tabasser des gosses, c'est bon ça! Par contre, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain! Oh la vache! Oh, il me défonce! C'est bien, Arnaud! Ça va? Oh mon dieu! Bon, ça va aller. Ça va aller. Je vais juste. Quoi? Il m'a remis tout en bas, ce bâtard! Heureux, Callaghan. T'as réglé tes deux énormes problèmes. Bah, je te félicite. Parce que c'est pas facile, hein. Y'a quoi par là? Histoire étonnante de Callaghan. Et ben on est obligé de se les taper. Pas grave. Les couilles des coffres, je veux juste avancer et puis aller me faire enculer. Mais reviens! J'ai pas eu le temps d'appuyer sur. Sur rond. Mais putain! J'ai pas eu le temps d'appuyer sur rond. Bah j'ai appuyé, mais espèce de connard. Ah voilà, c'est bon. Oh là 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 là, la 3D en 2001! Ah, c'est quoi ça? J'ai une vidéo plus intéressante. Ah cool. Je
super, magnifique. Et ça c'est quoi? C'est bon, tout va bien. Tout va bien, je ne râle pas ce jeu, je l'apprécie énormément. C'est un délice. C'est comme avoir, je sais pas, c'est comme sucer la bite de Mickey. Ça a quel goût? Les valeurs. Valeurs actuelles. Allez. Ah la cam elle est relou, mais le reste c'est impeccable. Mais putain la cam, oh là là, elle me flingue. On fait comme dans la vraie vie, on commence par violer la fille. Allez là. Mais c'est qui qu'envoie ce sort de merde? Faire une invocation la dernière fois que j'ai fait une invocation. T'as Simba, il arrive derrière moi, il bouge pas. Il te regarde, il fait bah, je sais pas, tu me caresses la queue. Allez, crève, fils de pute. Bah. Oh la vache, je préfère Dark Souls que ce combat. Dans ce Kingdom Hearts, quand même, les arènes elles sont trop petites, hein. C'est pour ça que la caméra déjà elle fait n'importe quoi. C'était pour rire. Je vais te torturer jusqu'à la fin des temps. Salope. Sinon, j'aime bien ce jeu, y'a pas de problème. Ah bah, les nazis ils ont dit pareil, on ne faisait qu'obéir aux ordres. Bravo, 3 enfants nazis. Ça va, tout va bien. Attends, je vais essayer de faire un truc. Bon, la crustation sans le spot, c'est pas mal là. Ça va me reposer les yeux déjà. Ah ouais, là c'est pas mal là. Ah, y a un petit problème d'incrustation, attends quand même. Hop. Un. C'est où? C'est du coup, c'est là? Ouais, c'est trop clair. Ah bah non, ça va. Allez. Ah ouais, mes yeux, ça va mieux là. Oh merci, mon dieu. Ah, c'est comme si Mickey avait éjaculé dans mes yeux.
Ah, je me sens bien là. Je me sens bien avec mon corps. Des putains des mots. Sinon non, c'est cool. Franchement, il est cool le design. Très très joli. Ok. Donc là, elle a c'est nazi. Ok. Bon bah, allez, c'est parti. Cette bouche, elle plairait à Kalagan. Ah, moi je m'en bats les couilles en fait, au final. Des démos. Est-ce que j'ai eu une tronche démo à un moment? J'ai failli. En fait, je me suis ramené avec des New Rock. Dans un cybercafé, un pote m'a dit oh, on dirait, oh bah bon, c'est les chaussures de gros Starlouz que tu mets. Et quand je suis rentré chez moi, mon père il m'a dit tu t'es une grosse Starlouz. J'ai fait bon bah d'accord, je les revends. Je les ramène. Ok, salut. J'ai failli. Ah, c'était pas emo, c'était gothique. Mais bon, un gothique roux en même temps, bon. C'est Franck hein, au cas où que... C'était Franck, c'était pas Xavos, c'était Franck. Mais c'était pas plus mal du coup. En fait. Alors, le levier certes. Il a pas spécialement plus de tact, non, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Bon, on va se balader sur le toit du truc, on va voir si... Alors, trouver la cachette Doogie Boogie. Alors. Bon, on va trouver. Il y a une corde là, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une cage là qui est apparue. Là. Je peux rentrer dedans? Oui, je peux. C'est un leurre. Ils veulent me faire me casser la gueule. Dommage qu'il dit pas plus. Glacier plus. Ce serait tellement ridicule. Je veux mon coffre. Avec un... En plus, un petit level en plus. En plus, un plus. T'es où, Donald? Donald! Non. Donald, je sais pas, j'ai l'impression qu'il... J'ai l'impression qu'il sert à rien.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir. Mais pour rentrer, il faut que je tue les ennemis. Pour tuer les ennemis, comment je fais? Tiens! Tiens! Examiner. Ok, super. Ah, la musique a légèrement changé. Non. Ah, et il est là. Mon Dieu. Ah, cool. Ça, c'est des items qui ne servent à rien. C'est trop bizarre. Mais là, ça va mieux. En fait, ce qui me niquait les yeux, en fait, je pense que c'est plus la lumière du spot au-dessus que le jeu. Alors... C'est normal que je saute, hein. Je vous jure, c'est normal. Parce que j'ai vu ça au bout là, je me demandais ce que c'était. Ah non, fais pas Atlantique. C'est dead. Mais je comprends, hein. Mais moi je la connaissais pas la musique, hein, donc. Franchement, Ursula, elle m'a fait péter des plombs. Hein. Pont. Ah, on est de retour ici, d'accord. Jack, il veut faire des spectacles avec lui, avec eux. Jack, il est trop content qu'il y ait des sans-cœurs en vrai. Je pense pas qu'il faille back autant que ça. Oh putain. Franchement, regardez pas ça en plein écran, hein. Mettez ça sur un... Mettez votre téléphone en fenêtre, hein, parce que... Sinon vous allez bégère. Alors, j'ai activé un levier, je ne sais pas ce qu'il a activé. Mais on va essayer de trouver ensemble. Car le pouvoir de l'amitié supplante tout. Stop, j'ai ça comme ça. Stop, je savais pas que je l'avais. C'est plus fort que tout l'amitié. C'est ça. Mais j'ai pas vu Mr. Jack en fait, il faudrait que je regarde. Alright. Bon, je refais la route, on va essayer de trouver un truc qui a changé. Vous pouvez me spoiler au cas où, hein. Celui qui sait, il peut me le dire. Est-ce que c'est un rapport avec la corde là-bas? J'ai l'impression que c'est un rapport avec la corde. J'ai rien... Ouais, je pense que c'est la corde. La corde à linge. Ah non. Tu
sais pas où c'est, Romain. Ou Romain plutôt. Rum. Je me suis trompé de route. T'arrives ? À la sortie de la tour de sauvegarde. Vous comprenez ce qu'il dit ou... La tour de sauvegarde. En sautant en bas. Ah ouais ? Genre je saute là ? Ah ! Donc faut sauter en bas mais à l'intérieur alors et pas pas là, ok. Bon. Je peux remonter avec ce avec lui hein, de toute façon y a pas de souci. Donc faut que j'aille voir les mômes. Ok, merci Romain. Bah je suis pas très emmerdant, j'ai pas envie de me faire chier. Et tu as une porte. Tu vas là où je défonçais les gamins. Déjà. Sinon Romain, c'est quoi tes JRPG préférés ou tes RPG préférés ou tes jeux préférés tout simplement hein. À part Kingdom Hearts, bien sûr. On fera les autres de Kingdom Hearts cette année, probablement. Alors, donc ça c'est bon. C'est vrai que là, il y a une sorte de rideau quand même, hein. C'est un peu bizarre. Hein. Ah, The Last of Us, c'est un de mes jeux préférés. Vraiment. Ok, ça marche, on n'en parle pas. Beaucoup aimé le 1, beaucoup aimé le 2. Du coup, j'ai sauvegardé là. Faut tabasser ce truc, Bah, je l'ai tapé le levier, regarde. Voilà, je l'ai tapé le levier. Allons-y. Oui, de mémoire, bien sûr. Bien sûr. Je sais pas, hein. On va se regarder une petite soluce, hein. C'est une bonne idée, non? Alors... Rachel? Elle est plus mode, elle est plus modo. On va regarder vite fait, parce qu'on va pas se prendre la tête à tourner pendant 3 heures en rond, on n'est pas là pour ça. Donc l'histoire principale, tac. La ville d'Halloween. Le manoir Oogie Boogie. Allô ? Ça charge.
Ah mince, c'est pas ça truc. Non, non, elle vient très rarement, du coup je l'ai mis en VIP. Alors, redescendez en sautant sur les grandes cages et en ramassant les coffres à l'intérieur. Une fois en bas, empruntez la petite porte et descendez jusqu'à la porte verte pour pénétrer dans l'antre de Oogie Boogie. Ok. Disons que si tu viens 3 fois en 6 mois, c'est pas nécessaire d'être modérateur. Enfin, tu vois, c'est pas très intéressant pour elle. Moi, ça fait une pression en moi. Alors, donc, ça c'est une première grande cage. Ensuite, il y a la deuxième grande cage qui est ici. Donc, hop, hop, tac. Aimez-vous, K. C'est une porte verte. Bah, peut-être, ouais. C'est peut-être pas tout à fait en bas. C'est peut-être juste un peu au-dessus. Ah, regarde, on la voit. Elle est juste en dessous, là. Comment on fait pour avoir l'angle de vue? Comment on fait pour avoir l'angle de vue pour y aller? Ah bah c'est bon. Au secours! Au secours! Non, non mais ça va, c'est bon. Tout va bien. Merci Romain. Merci. Rends-moi ce cœur! Eh bien dans ce cas, venez le chercher. Ouais, c'est la voix du génie. Bien, voyons si je peux attirer leur attention. Youhou, les sans-cœurs. C'est tout. Personne. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, quel bordel! Oh merde! Ah! Ok, je peux lui rebalancer, c'est... Direct. Bisous Arnaud. C'est ça, laisse-moi dans ma merde. Et bingo.
Alors, rose. Rouge. Ah, d'accord. Je viens de comprendre, hein. Je viens de comprendre. Eh mais vous pouvez sauter, hein, les mongolos là. Bin. Bon ça va, c'est pas, pour l'instant c'est pas trop mal. Il m'a mis une tarte, mais il m'a mis une bitch slap, quoi. Hey, bingo. En diagonale. Ah, je suis deg. On me demande d'anticiper plus dans la vie là. Dans les jeux vidéo, ça marche pas. Voilà. Je peux le faire là? Oh le bâtard! Donald! Allez, allez, ça approche, ça approche. Yes. Ça fait du bien. Dégueulasse. C'était une mauvaise idée. Ah bon? Talisman. Rapport d'un SEM.
La fille avait raison. Hein? Merci, Calagan. Oula, attends, il y a un problème. Ah, va falloir faire de la plateforme. On doit aller détruire les masses noires. Ok, bah allons-y. Wouhouhouhou! J'ai pas réussi à tuer les méchants. Oh, salut. Qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être après. Ah, on peut monter là. Très bien. GG, le méchant va te tuer. Exact. Oh là, oh là, oh là, 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 la plateforme là. Ah. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est la voix de Riz. En version tapette, mais c'est la voix de Riz. Voilà la radim. C'est bon. Merci. C'est un peu ghetto comme façon de grimper quand même. Pourquoi il tourne. Il fait la toupie là comme. Comme Billy. Merde. Comment il s'appelle? Le petit danseur efféminé là, anglais là. Billy, Billy, je sais pas quoi. Ah ouais, j'adore. C'est impeccable. C'est impeccable. Oh. Ah ouais. Bah, quand j'étais au collège, en troisième. Comme on m'a victimisé avant, bah j'ai victimisé une victime. Mais comme il y a une sacrée hiérarchie de victimes, donc j'ai dû taper bien bas. Ouais, voilà, c'est ça. Mieux que ça, mieux qu'un enfant en bas âge ou qu'une plus vieille. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment sale? Qu'est-ce qui n'est pas très très gentil? Alors attends, on va essayer de trouver. Un handicapé un peu mental. Chut, faut pas le dire. Oh! Ah, dommage, Cardo, il est pas là parce qu'il était témoin de ça en plus. C'est honteux! C'est honte. Il y a combien? Il y a combien de pustules sur le fion? Non. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tout va bien. Tout va bien. Hein? Le mari aussi. Pas de bol quoi. Ah, il y en a jusqu'en haut, il y en a plein. 1, 2, 3, 4. Bon bah allez.
Comment on se fout bien de ta gueule? Bon, alors j'ai compris, je ferai plus attention la prochaine fois. Glacier ? Ou gravité ? Bof. Allez, on tabasse. Alors. Ça, c'est good. On reprend le même itinéraire. Ah, il faut retourner à côté de la lanterne. Il y a sans doute un moyen plus simple, peut-être, de grimper. Oh, la caméra! Pardon, excusez-moi. Au revoir! Gros bisous! Non! Tuez-le.
Ah, faut prendre son temps, hein. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah, c'est pas là qu'il faut aller. Ça n'est pas là. Tout va bien. Nous sommes entre amis. Allez, on va leur taper dessus pendant 3 heures, moi je veux bien. Ouah, ça pop en boucle, ça bob en boucle. Laisse tomber. J'avance pas du tout. Alors, allons-y. Alors là, c'est bien. Putain, ta grosse mère, la salope de pute. Pardon. Excusez-moi. Voilà, c'est par ici. Ah, je peux pas lui mettre plus de 7 sur 10 à ce jeu en fait au final. La caméra elle flingue tout le jeu, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah c'est bon ? Mon dieu ! Oh la vache ! Un peu plus se voler.
Ah, quoique le ciel est blanc et me nique. C'est parti. C'est parti, un monde de plus en moins. On a le temps d'en commencer un autre. On va aller chez Peter Payne. Peter Payne. Gravité plus. C'est bon ça. Sally, pourquoi ne t'ai-je pas écouté? Jack, ne sois pas triste. Nous trouverons un autre plan pour Halloween. Mais cette fois, nous le ferons ensemble. Ouais. Oh mon Dieu! Tête de citrouille. Alors, équipement. Très bien. C'est bon ça, on a fini un monde encore. Allez. J'essaye de partir, je n'y arrive pas. Ah, c'est par là. Hop là, 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 là. Les lampions, ouais, c'est ça. C'est bien cela. Putain, ma bobard, elle tient même plus dans la caméra, c'est fou ça. Comment vais-je faire? Allez. C'est parti. Peter Payne, la belle et la bête. Waouh, M-Boss. Ok. Alors... C'est pas fini. C'est pas putain de fini cette connerie. Ah, ça sent Peter Payne.
Je ne pensais pas que tu viendrais, Sora. Riku ? Je suis content de te voir. Où sont Donald et Dingo ? Sont-ils si importants à tes yeux ? Plus que tes anciens amis ? Au lieu de t'inquiéter pour eux, tu devrais plutôt te soucier d'elles. Kairi ! Eh oui. Pendant que tu rêvassais, j'ai fini par la retrouver. Oh, elle a l'air un peu... Assez vite ! Pas de manigance à bord de mon navire, petit ! Riku ! Pourquoi fais-tu équipe avec les Sans-Cœurs ? Les Sans-Cœurs m'obéissent à présent, Sora. Je ne crains plus rien du tout. Tu es stupide ! Tôt ou tard, ils auront ton cœur ! Impossible, mon cœur est trop fort. Riku ! J'ai aussi appris quelques nouveaux tours. Celui-ci, par exemple. Nice. Tu peux aller retrouver tes amis. Il est temps d'appareiller. Évitez que Sora ne s'approche de Kairi jusqu'à ce qu'on accoste. Ouais, t'inquiète. Tu vas, tu viens, y'a pas de soucis. Le sac d'aspirateur était un peu... Alors la première phase en sorte de jeu avec la tour, avec le, la roue, c'était sympa. Après la suite c'était en jeu de plateforme, c'était un peu pas terrible. Tu as entendu, Mouche ? Ce son effroyable ? Non. La roulette c'est cool. Ouais. Tu en es certain ? L'aurais-je imaginé ? Oh, mes pauvres nerfs ! Kairi ? Ouais, c'était vraiment Kairi. Je l'ai enfin retrouvé. Génial ! Tu vois, là, les écritures, elles sont, elles bavent un peu. À part ça, c'est pas mal. Oh, pardon. Oh, la deuxième phase, relou, hein, franchement. Mais bon. Qu'est-ce que vous faites ? Ah oui. La sortie ? Je comprends. Qui es-tu ? Je suis la réponse à vos prières. Voilà le fameux Robin Williams. Bon, d'accord, faites comme vous voulez. Mais toi aussi t'es coincé ici, non ? Non, j'attends quelqu'un, c'est tout. Qui ? Clochette, où étais-tu passé ? Beau travail. Alors t'as trouvé Wendy ? Une seconde. Il y avait aussi une autre fille. La tête. J'adore la plat, c'est ça. Que j'abandonne Wendy. Quand tu vois Donald qui est super, tu sais, Donald et Dingo, ils ont un visage super. Il y a des formes de partout et tout. Et Sora parfois il est tout plat, tu sais. Comme là, Peter Pan il est plat là. Parfois il est, voilà, là il est plus plat. Je suis Peter Pan. Et moi Sora, d'accord. On fait équipe, mais seulement jusqu'à ce que je trouve Wendy. Ça dépend, c'est les limitations techniques, hein. Ils ont fait pareil pour Final Fantasy X. Hein. Hop. Je vais aller revoir les compétences et tout. J'ai pas touché depuis quelques temps. Alors, permet de résister à un KO en gardant un HP. C'est bien ça. Permet d'attirer les sphères de HP et MP. C'est bien ça. Ouais, carrément, tu sais, moi je suis... Waouh, il en a plein des trucs, eh. Dernière force, récupération. Permet de se relever d'un KO en peu de temps et avec ses HP au maximum. Bah oui, oui, j'active, oui, bien sûr. Alors ça, je m'en fous. Donc ça me reste 2 points. Je vais pouvoir activer dernière force. Ah, ok. Les Sora, Cyclone. Permet d'effectuer une puissante attaque rotative en l'air. Bon bah j'active. Ah, l'attraction, c'est pratique ça quand même. Ok. Ça évite de soi quand ils sont KO, c'est tellement bien. Ah oui, 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 ça a l'air très fort, ouais. Et eh ben allons-y. Écoute, comme je me suis guéri de mon mal de crâne et de yeux, à peu près, on peut aller jusque 17h.
Ouah, sac à PV. Gravité plus. C'est bon. Il se lock sur quoi là? Intéressant. Ah. Bah ouais, il en faut plus pour m'empêcher de jouer aux jeux vidéo. Bah demain j'ai rendez-vous chez les petits siens, bah je l'ai déjà dit. Putain. Je leur ai déjà dit au téléphone qu'on m'avait bouffé mes lunettes. Alors que c'était. J'avais déjà fait passer sur la garantie. Je les avais cassées moi-même en fait. Donc en gros, fais chier quoi. Donc, d'abord je les casse, après c'est le chien qui les bouffe, ils vont se dire, il se fout de notre gueule lui. Hein. Ça serait bien mon genre d'essayer des arnaques comme ça, mais pour le coup c'est pas. Non. Tiens, trio jaune, tiens, c'est un truc à faire ça. Zergot. Le jaune je peux pas? Ah je croyais, j'étais presque sûr. C'est pas grave. Oh oui. Oh oui. Pardon. Alors. Hop. Est-ce que je peux remonter? Apparemment non. Du coup. Ah y'a pas de nom pour les pièces, c'est assez perturbant. Ah apparemment, c'est pas grave. Blâme. Sur les sacs à PV, les gravités en boucle, c'est pas mal apparemment. Bon, je peux redescendre ici. Ça suffit. Ça suffit. Bon. T'as mes vœux. Bien ça. Bon, je suis mort mais bon. Tout va bien. Il va voir ma clé. Ah elle est plutôt stylée ça. Quand même. Bon. C'est bon là. Calmez-vous. Que tu peux voler. Tout le monde peut voler. Vous voulez essayer? Ah, tu fais toujours la tête, Clochette. J'ai
juste un peu de poussière de fée. Voilà, maintenant vous pouvez voler. Ce n'est pas si simple. Comment ? Wendy ne ferait pas partie des élus ? A priori, elles sont sept. Et Maléfique dit qu'elle n'est pas l'une d'entre elles. Jetez l'ancre dès que possible. Laissez tout le lest derrière nous, elle y compris. Après tout le mal qu'on a eu à la capturer ? Et pourquoi ces sept-là ? Que peut bien comploter Maléfique ? Qui sait ? Du moment que je retrouve le cœur de Kairi, ça m'est égal. Bah ! Tu perds ton temps. Les 100 cœurs ont dévoré le cœur de cette fille. Je parie ma main qu'il est perdu à tout jamais. Crois ce que tu veux, je le trouverai. Capitaine ? Quoi ? Les prisonniers se sont échappés. Et en plus, Peter Pan est avec eux. Maudit soit ce Peter Pan. La voix de victime. Dans ce cas, très bien. Conduis l'otage dans ma cabine, mouche. Dépêche-toi. Y a-t-il clochette ? La fameuse Peter ? Wendy. Peter Pan ? Wendy ! Dépêche-toi ! Les pirates arrivent ! Quoi ? Tiens bon, j'arrive tout de suite ! Wendy ? Oui ? Est-ce qu'il y a une autre fille avec toi ? Oh, ma foi, oui ! Mais apparemment, elle dort. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Kairi ? Kairi ! Ça fait un peu Philippe, on dirait qu'elle est sous médoc. Ah, plus de cœur du coup, c'est une poupée quoi. C'est une poupée vide, ça fait trop flipper. C'est un truc pour gosse quand même, merde. Putain, il est optimiste, Sora. Hey, venez, montons. Alors. Super tous ces items qui servent à rien que je trouve. C'est magnifique. Alors, montons, il a dit. Montons. Oh bordel. Parce que là, on peut monter, par exemple. Ah bah non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, mais on peut monter ici, non ? Attends, je regarde. Je regarde parce que c'est pas très très clair tout ça. Oh bordel, oh la merde. Calmez-vous. Calmez-vous. La porte elle est où? C'est bon. Alors ça c'est good. Ouais. Là. Voilà, c'est un peu plus large ici pour se battre. Quoique. Nice. Alors ça c'est bon. Alors on va monter. Peux-tu monter s'il te plaît à l'échelle? Merci beaucoup. Tout à l'heure j'ai essayé de monter là mais ça n'a pas marché. Voilà, parce que si je tombais sur la porte. Non. Ok. Par là on peut pas y aller non plus. Là ça revient à venir en arrière, bon, on peut essayer. Ouais c'est bof.
C'est bof, c'est bof. Alors, on va essayer d'aller plus par là. Ah, c'est quoi ça? On vient de là, non? C'est là où il y a la sauvegarde. Ah oui. Alright. Solution de retourner par là. Peut-être. Et tiens, gravité, 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 gravité. C'est non. Bon, on va redescendre et on va voir s'il y avait pas une il y avait une deuxième sortie, mais je sais plus trop. Je ne sais plus trop. Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop plutôt parce que je ne l'ai jamais fait. Alors là, on va aller là maintenant. On va essayer de remonter là. Ok. Et là, on repasse là. On tourne carrément en rond en vrai. Oui, genre complètement quoi. Vous devez voir un moyen de monter. Un bouton, un levier quelque part. Ah, attends. Je crois que j'ai vu un truc. Je crois avoir vu une issue. Est-ce que là? Ah non, c'est trop haut. Suce-moi le vent. Et là peut-être. Non. Et là. Non. Intéressant. Intéressant. Et là. Oh, il y a un coffre au-dessus, dis donc. Il fait plus coffre secret qu'autre chose. Mais pourquoi il veut pas rentrer là, c'est intéressant. Pourtant, ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Dingo, il pète un plomb. Quoi. Il pète une pile. C'est où qu'on était juste avant, c'est là. Hein. Il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. Ah! Vu. C'est bon. Porte à gauche après le trou. Oh, sympa. Et là, il y a un trou pour redescendre. Comment se fait-ce? Ah, trio. Oh, mes yeux. Comment? Pardon. Dingo se met en doggy style quoi. Il m'a montré son fion là, c'était assez cocasse. Cocasse, coquin.
Oh, on avance. Riku, attends. Progress. Je m'en vais dans les ténèbres. Je suis méchant. Gravité. Ah bon, on appelle ça un boss. Gravité. Gravité. J'ai une stratégie, c'est lui taper sur la gueule jusqu'à ce qu'il meure. Attends, il fait vraiment ce que je fais en fait, faut pas l'attaquer. De rien, de rien, de rien. C'est brutal quand je meurs dans ce jeu à chaque fois là. C'est brutal. Bon. Bah écoute. Prendre un autre méga éther, hein, y a pas de souci. C'est pas un problème. Alors, on était où? On était là et on faisait ça. Ah non, on faisait le trio! Merde. Voilà, première à gauche. Et on faisait ça. On va sauvegarder cette fois-ci. Fatigué mais détendu. Merde. On va essayer de lui bourrer la gueule à coup de gravité. C'est vrai que j'ai des invocations. On va faire le génie, tiens, on va voir ce que ça donne. C'est tellement stylé, de ouf. Comment on fait piraterie? Ah, plus de MP, ok. Donc je suis tout seul avec mes potes, c'est ça? Ah voilà, quand même, ils reviennent au bout d'un moment. Avec le roi lion. Ouah.
Sois ta force. Courage. 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 Allez. Voilà. Ça suffit. Dirait le boss de Zelda 2. Gravité. Voilà. Soin. Gravité. Gravité. En avant. Hop là. Gravité. Bon, c'est pas ouf. Hop là. En avant. En avant. Un enchaînement, on se barre. S'il tape, il faut se barrer de toute façon. Voilà, un enchaînement, on se bat. J'aimerais bien qu'il le lock. Ah, ils sont deux. Voilà, ok, ça va. Tout va bien. J'ai beaucoup de mal à avancer là. Voilà. Putain, j'arrive pas à le toucher. Putain de fils de pute. Mais merde! On peut plus rien faire! D'accord, c'est une phase, ok. Toujours pas. Et au lieu de soigner notre connard là, tu peux pas me soigner moi, fils de pute, va. Merci, pardon, excusez-moi, je commence à être un peu saturé par ce boss. J'arrive pas à le toucher. J'arrive pas. Tu fais quoi avec la caméra? Mais oui. Vite, vite. JPP. Tout à l'heure je le touche plus du tout hein. Ça fait une heure que je le touche pas. J'arrive pas à le locker. J'arrive pas à le locker. Je peux rien faire. Regarde, je peux rien faire. Voilà. Super. C'est une merveille.
C'est super. C'est le combat d'infirme, ouais c'est ça. Oh il se prend des dégâts. C'est Noël, c'est Noël. Emmerder Andilos, je vais bien lui pisser dessus à ce jeu. Putain, non, non, ne fais pas ça le jeu. Soignez-moi, bande de connards! Merci. C'est interminable. Ah mon Dieu. Ah. Oh, c'est la dernière chose que je ferai sur ce jeu aujourd'hui. Oh la vache. Mais tout seul chez moi, jamais je peux finir un jeu comme ça. Impossible. Impossible. Impensable. Merci. C'est douloureux, hein. Physiquement. Hein. Ah bah oui, c'est le cœur. Très bien. Je vais mourir, ça y est. C'est faux. Allez, je sauvegarde et je quitte. Je vais épicer. Et j'arrive. Je sauvegarde deux fois.
Voilà, va miquer ta mère. Ah. Oh. Oh. Bien. Ce fut une journée productive. Je vais regarder tout de suite ce qui nous attend demain. Donc le pays imaginaire. À la recherche de Wendy. Ah oui, d'accord, on est là. Ok. Ok. Bon. Il reste la forteresse oubliée. C'est tout. Après le pays imaginaire, il n'y a que la forteresse oubliée. Hein, donc on est vraiment sur la fin du jeu, quoi. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Guideret, sac plastique. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut pas jeter son sac plastique dans la nature. Il faut pas jeter son sac plastique dans la mauvaise benne à ordures. Il faut pas jeter son sac plastique sur la plage. Mais alors on en fait quoi de son sac plastique après usage? Pour se débarrasser de son sac plastique sans polluer la terre, c'est un peu technique. Une manière, trouver quelqu'un d'important, quelqu'un qui prend des décisions, par exemple le ministre de l'environnement, et faites-le asseoir dans votre salon, faites-lui ouvrir la bouche en grand et demandez-lui de dire ah, mettez-y tous vos sacs plastiques dedans, tassez un peu si ça rentre pas. Jeter son sac plastique, ouais, dans la forêt. Il faut pas jeter son sac plastique. Fini pour aujourd'hui, ouais. On finira demain ou après-demain le jeu, apparemment. Il faut pas jeter son sac plastique par la fenêtre. Mais s'il faut pas jeter son sac plastique, alors où le mettre? Pour se débarrasser de son sac plastique sans à gogo. C'est compliqué, c'est un peu technique, mais ça peut devenir rigolo. Trouver quelqu'un qui a du pouvoir, comme le pouvoir d'interdire les sacs plastiques. Demandez-lui d'enlever son tailleur ou son costard, et c'est là que commence la gymnastique. Invitez-le à se pencher, faites en sorte qu'il soit détendu. Commencez à fourrer vos sacs plastiques dans son cul. Et vous pouvez chanter. Alors t'aimes ça les sacs plastiques? Est-ce que tu les sens? Le plastique c'est encore plus fantastique dans ton cul que dans les océans. Très bien. Et encore une fois, t'as bien raison. Tu kiffes un les sacs plastiques, c'est ton petit truc à toi. Alors prends-les tous dans ton cul, mes sacs plastiques, si tu les aimes tant que ça. Ouais, bof. Oh. J'ai connu Guideret plus inspiré. Du coup... allons voir... les votes. On va passer par le super fichier. Oh.
Pardon. C'est quoi qui est là, là? C'est le cœur, hein? Si c'est le cœur, bah, je vais mourir. Alors. Il est où? L'ostropole, là. Résultat. Bah, 2 voix d'avance pour Pokémon, hein, donc voilà. On commencera vendredi ou samedi Pokémon Rouge Feu. Je vais... Oh, et ça se finit en combien de temps, ça? Ouais, ok, pareil, ça va être entre... Ça va être une vingtaine d'heures, à peu près. Tranquille, du coup. Et après, on fera Vagante, puis bah FF13, un de ces jours. Le jour où j'ai envie de le faire, on le fera, quoi. Comme une envie de pisser. Fayas, Ben, Ruma, merci beaucoup pour ton follow et d'avoir été la stap, plutôt cool. Arnaud est déjà parti, Kalagan aussi, donc gros bisous à vous. Et puis demain 13h, voilà, comme d'habitude, gros bisous.